aujourd'hui on est le normalement le 19e si je ne me trompe pas, 19e jour. Je suis déjà arrivée à Ozu, il est 16h. Je ne vous ai pas filmé ce matin toute la journée parce que j'étais sur la route de 7h à 14h. Je suis arrivée donc à 14h à Ozu, j'ai fait mon check-in à 15h à l'hôtel et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un château. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, il y avait un petit château à Ozu et donc je me suis dit bah, vu qu'il est tôt et tout ça, j'ai fait un sprint pour arriver ici avant 16h, donc il doit être 16h en vrai. Donc on va aller faire un petit tour au château, comme ça vous aurez au moins quelque chose pour aujourd'hui. Vous êtes prêts, c'est parti.
Attends. Et voilà, on est tout en haut du château. Donc, d'après ce que je sais, le peu que je sais pour l'instant sur ce château, c'est qu'en fait, comme la plupart des châteaux japonais, il a été reconstruit en fait. Parce qu'il a notamment brûlé, a été détruit, etc. Mais la spécificité de ce château-là, c'est qu'il a été reconstruit avec les méthodes traditionnelles. Voilà. Avec le bois traditionnel, sauf qu'il n'y a pas de béton, il n'y a pas de choses comme ça pour le maintenir, et avec les méthodes, les artisans façon traditionnelle. Voilà. Ce qui fait un petit peu la spécificité de ce petit château. Comme vous avez pu le voir, c'est un petit château. Mais moi, je le trouve très mignon. J'aime bien. Très sympathique.